Et dis donc, toi, je suis l'entraîneur de l'équipe nationale de basket pour les déficients mentaux et je cherche des joueurs comme toi. Ah, mais je suis pas handicapé, je suis le nouvel éducateur. Et vous regardez quoi, les gars, là ? Il y a un mec qui recrute des joueurs pour faire une équipe de quartier. On va pas faire jouer de faux handicapés. Il y a l'esprit olympique. Écoute, tu fais ce que tu veux, mais moi j'emmène une équipe à Sydney. On va travailler pour les services secrets ou pas, là ? Non, pour l'équipe nationale des déficients mentaux. Moi j'en ai connu des plans merdiques, mais alors là, il y aura une prime pour chaque victoire. Si on peut sauver une fédération d'handicapés. Bah ouais. Johan, 33 ans, 1m75, Sagittaire. Mon nom c'est Freddy, depuis tout petit je m'appelle comme ça. Ça te pose aucun problème toi? Tu veux pas les aider ces pauvres gamins? C'est vraiment des. Ils sont vraiment. Cool, bah ouais. Effectivement, ils sont cool. Bon, va falloir être crédible dans le village olympique. Tu lèves les yeux au ciel et après tu parles. Oui, parfait. Comment tu t'appelles? Stanislas. Est-ce qu'il y a un rendez-vous chez l'ophtalmo qui a été prévu? Messieurs, s'il vous plaît, on vient autour de moi. Je travaille avec la fédération, donc je vais vous accompagner pendant la compétition. Et tu joues à quel poste, Stanislas? Meneur. On va quand même faire un petit examen, juste pour se rassurer. Je crois qu'il y a une erreur. Tu respectes ce que je dis, je suis le capitaine. Ouais, c'est le capitaine. Si on se fait choper, on va être les mecs les plus détestés de la planète. T'es qui, Stan? Vas-y, explique-toi, tu voulais t'expliquer, parle maintenant, parle! Freddy, personne n'a le droit de te dire comment tu dois t'habiller. Personne n'a le droit de t'interdire de rouler une pelle à une meuf. Tu veux l'avoir, la médaille d'or? On va faire tout ce qu'on peut pour te la ramener, je te le promets. Moi, c'est pour Johan et Freddy que je veux la gagner, cette finale. Je crois qu'on a vraiment fait une connerie, là. C'est pas grave, les gars. On l'a faite ensemble. Allez, putain, j'ai créé un monstre.